démonstration. Déclaration des députés. Député d'Elgin Middlesex, London. Merci. Je prends la parole pour mettre en valeur le mois des gens qui est la sensibilisation au cancer. Le mois d'avril est le mois là où on porte des épinglettes de gens qui pour faire preuve de notre courage pour ceux qui luttent contre le cancer. La Société canadienne de cancer a fait beaucoup de collectes de fonds pour appuyer les recherches et les ressources pour mettre fin à cette maladie. En 2015, l'Ontario a eu 76 000 nouveaux cas de cancer. Le cancer de la prostate, du sein, et le cancer colorectal et du poumon sont les plus fréquents. La Société fera des événements de sensibilisation durant ce mois. J'étais très heureux d'accueillir des membres de cette société à l'Assemblée législative de l'Ontario et je porte mon épinglette. Je vais la porter si la Chambre le permet et j'encourage les autres députés de faire la même. C'est une maladie dévastatrice qui touche plusieurs Ontariens et touche tous les gens, peu importe leur culture ou leur âge. J'ai assisté à une course qui servait à faire une collecte de fonds pour le cancer. Jusqu'à ce que nous avons un remède, nous devons continuer de lutter contre le cancer. Merci. Je suis heureux que la députée l'a soulevé. Sans l'unanimité, on n'a pas le droit de porter une épinglette sans le consentement unanime. Mais vous me l'avez dit, donc je demande aux députés de ne pas porter l'épinglette jusqu'à ce que nous avons eu le consentement unanime. Oui, vous avez raison. Déclaration des députés et députés de Windsor-Ouest. Merci. Michelle Halou et son fils Noah sont d'excellents citoyens à Windsor-Ouest. Noah est un enfant autiste et touché par l'autisme et pendant 16 ans, il a reçu des services d'autisme. Lorsqu'il a atteint l'âge de 18 ans, tous ses services ont été coupés. Il a été mis sur une liste d'attente pour un financement visant à alléger la transition vers la vie adulte. Michel, finalement, a décidé d'agir. Avec des autres parents de la région, elle a organisé une pétition qui demande au gouvernement de mettre fin au temps d'attente pour ces familles qui attendent ce financement. Mais donc, ils ont éliminé des services pour les enfants autistes. Je suis heureux de dire qu'à la suite de la semaine de la sensibilisation à l'autisme, j'ai reçu plus que 2000 signatures sur une pétition qui demande au gouvernement d'appuyer les familles en éliminant les listes d'attente pour les enfants sur cette liste. Michelle Halou et des concitoyens de Windsor-Ouest ont contribué, donc le gouvernement doit maintenant agir. Député de Tobago Nord. Merci, Monsieur le Président. Je viens de souhaiter la bienvenue aux réfugiés syriens. Et donc, j'aimerais encore une fois féliciter les députés de l'Ontario qui ont appuyé l'arrivée de ces réfugiés. Et si vous me le permettez, Monsieur le Président, j'aimerais saluer les visiteurs qui sont venus hier, la famille Al-Masri et leurs quatre enfants, Jouri à 4 ans, la famille Bilal Haba, sa femme et leurs enfants, et la famille Yasmin Mufta et leurs 4 enfants. Et en particulier, les gens des services d'immigration COSTI, Bruno Supa, Mario Kalla, Tanas Partivala, Mirna Al-Sabak, Linda Yasu, Mary Garwal, Yasmin Doswal, Andrea Brambila, et aussi le monsieur de la Fondation
canado-syrienne Farah Sultan. L'Ontario a pris l'engagement d'accueillir 14 000 réfugiés syriens qui fait partie de l'engagement de 25 000 réfugiés du premier ministre Trudeau. Donc, je suis honoré de faire partie d'un gouvernement qui appuie cette initiative. Député de Halliburton Court, Lakesbrook. La semaine dernière, j'ai assisté à une réunion du conseil municipal et Paul Lindsay a déposé une motion avec l'appui de Mike Layton pour appuyer mon ancienne initiative contre la traite de personnes. Le conseil a adopté la motion avec unanimité pour appuyer mon projet de loi par rapport à la traite de personnes et aussi le rapport du comité permanent sur l'agression sexuelle. Le comité a déterminé que l'Ontario est un pôle de la traite de personnes. Les victimes, qui sont très souvent nées au Canada, sont victimisées à l'échelle de la province. C'est dans nos voisinages et dans nos collectivités. La traite de personnes cible les filles. Il nous faut agir en créant une équipe de plusieurs agences du gouvernement. Il nous faut encourager les partenariats entre les fournisseurs de services communautaires et des autres parties prenantes pour partager les pratiques exemplaires. Le projet de loi améliore des lois actuelles. Les filles ont besoin de notre aide. On ne peut pas nous permettre de ne pas agir. Et on doit comprendre les mesures à prendre. D'avoir l'appui de la ville la plus grande du pays, c'est encourageant et nous continuons de lutter contre la traite de personnes. Député d'Oshawa. Merci. Aujourd'hui, je suis attristé de devoir rendre hommage à une défenseure, Jim Freeman, qui est décédé le 4 avril. Il avait une longue histoire de défense dans le secteur du travail. À son syndicat, il était un membre du comité, président d'un autre comité et pilote. Il a participé à plusieurs campagnes néo-démocrates. Il a aidé à créer un organisme de défense d'Oshawa. Il a défendu toutes les questions reliées à l'égalité. Il était vraiment un héros. Et son ami Sid Ryan a dit qu'il était son meilleur ami, son amour pour sa collectivité était énorme. Tout le monde l'aimait. Et il les aimait aussi. Je ne peux pas parler de lui pendant seulement une minute et je ne peux pas parler de lui en utilisant des mots, des propos parlementaires. Il était vraiment un héros. Il nous a démontré une bonne orientation de l'avant. Certaines des personnes sont des pionnières et il en était un. Il nous a inspiré de s'occuper des gens dans le besoin et il avait un excellent sens de l'humeur qui était des fois tout à fait inapproprié. Donc, nous ressentons cette perte profondément. On pense aux propos de Tommy Douglas qui a dit que c'est pas trop tard de bâtir un meilleur monde. Il en a bâti un et il nous a améliorés. Il va nous manquer énormément. Député de Mississauga Streetsville. Cet après-midi, je vais déposer une pétition en ce qui concerne la fluoration des eaux municipales qui portent la signature des milliers d'Ontariens à l'échelle de la province. Et il y aura plus de ces pétitions. Il y a plusieurs décennies, des chercheurs on conclut que certaines régions avaient des taux de caries dentaires moins élevés que d'autres. Ils ont déterminé que c'était à cause du fluor naturel dans les eaux municipales. Et si on l'ajoute aux eaux municipales, cela réduit le taux de caries dentaires. Lorsque les collectivités ont arrêté d'utiliser le fluor, la carie dentaire a connu une augmentation. La stupidité d'enlever le fluor
est basée sur des preuves scientifiques douteuses. Les experts nous ont dit que c'est une façon efficace de réduire la carie dentaire. Dans une étude de 2012 par le médecin hygiéniste en chef Arlene King, on a conclu la recommandation suivante, de faire une étude des politiques actuelles pour que tous les Ontariens aient accès à de l'eau potable fluorée. Les Ontariens sont d'accord. Le moment est venu d'avoir un mesure législative pour rendre obligatoire la fluoration des eaux municipalités. C'est ce qui s'impose. D'autres déclarations, député de Bruce Gray-Owen-Sound, merci. Le 6 avril a été déclaré comme journée de Tartan il y a 25 ans, donc j'aimerais discuter de la communauté écossaise de la province. Avec des autres communautés, les Écossais étaient parmi les premiers arrivants au Canada. Ils ont bâti des villages, des églises, ont travaillé en tant que forgerons et nous ont aussi amené leur propre culture. Ma circonscription profite de ce patrimoine. Il y a eu plusieurs Écossais qui sont arrivés, Agnes McFair, Neil McClung, qui sont nés à Bruce Gray-Owen-Sound, qui avaient des origines écossaises. Et certains de ces gens écossais ont été députés. Par exemple, Bill Murdoch, qui était le député qui a déposé la résolution en matière de la journée du Tartan, et ce qui a été adopté en 1991. Il a aussi fait adopter la loi sur le tartan en 2000. Il était un excellent député et était très fier de ses origines écossaises. Et il portait même le tartan de l'Ontario. Le sixième jour d'avril est très important pour les Écossais parce qu'il marque l'indépendance de l'Écosse en 1320. Je remercie ceux qui ont rendu hommage à ce jour. Et nos députés viennent de plusieurs origines, mais ils reconnaissent tous les contributions de la communauté écossaise. Député de Burlington. Je prends la parole pour féliciter l'hospice du comté Windsor-Essex par rapport à l'ouverture de leur hospice. Comme vous le savez, je viens de Burlington, mais je suis né à Windsor. Ces deux villes sont chez moi, donc je reconnais les soins palliatifs qu'offre l'hospice de Windsor. La directrice de cet hospice a parlé des pratiques exemplaires. Les décisions de fin de vie sont des décisions très importantes. C'est pour ça que nous sommes si heureux d'avoir de tels hospices. Pendant 37 ans, le personnel de cet hospice a fourni des soins excellents aux familles qui reçoivent des diagnostics difficiles. Ma mère a été bénévole à cet hospice pendant 30 ans. Elle a 90 ans, mais quand même, elle continue à être bénévole. Et elle reçoit beaucoup de ce travail. L'hospice de Windsor ouvrira bientôt leur emplacement à Leamington. Donc, les patients seront en mesure d'accéder aux soins nécessaires. J'aimerais féliciter le personnel et les bénévoles, y compris ma mère, Marie, de l'hospice de Windsor, pour tout ce qu'ils ont fait. Et je veux qu'ils aient du succès à l'avenir. Député de Kitchener Centre. La semaine dernière, j'ai assisté au souper du maire à Kitchener-Waterloo. Nous avions Ariel Walkman et Jesse Narayan. Et donc, j'aimerais parler de ces gens. Ariel était née à Sri Lanka. Durant son enfance, elle a été influencée par ses parents généreux. Il y a deux décennies, elle est venue au Canada et elle a été accueillie chaleureusement à Kitchener-Waterloo. Elle est devenue directrice du centre multiculturel. L'autre personne est née en Guyana et a assisté à l'école lorsqu'elle avait environ 12 ans. Après être venue au Canada, Jassy a aidé sur le plan de l'arrivée des réfugiés qui venaient de partout dans le monde.
En tant que membre de l'Union chrétienne de jeunes gens, elle a élaboré un programme de formation pour des nouveaux arrivants et son organisme met de l'accent sur les femmes immigrantes. Leur objectif est d'augmenter la participation des réfugiés au sein des collectivités. Cet organisme a créé des programmes, y compris la formation d'emploi, les classes d'anglais. Je suis très fier de ces femmes et de tout ce qu'ils ont donné à ma collectivité. Je remercie tous les députés.